On va commencer par faire l'exercice d'hier où on posait les trois balles par terre devant soi. Vous savez, où on allait les chercher chacun leur tour. Alors vous prenez chacun trois balles, les courses, oui, et vous allez les, voilà, vous allez les poser. Allez-y. Cette ligne là, on se met derrière la ligne blanche pour démarrer. Derrière la ligne blanche. Et les deux pieds derrière la ligne, s'il vous plaît. À vos marques. Qu'est-ce que... Eh, Alexandre. À vos marques. Prêt? Partez. Qui a gagné? Bravo! Attendez derrière la ligne. À vos marques. Prêt? J'ai rien dit, on recommence. Allez, à vos marques. Prêt? Partez! Au milieu du terrain, Hugo. Mettez-les en ligne pour qu'on les voit mieux. Voilà. Allez, vous les posez. Donc ici, il y a les jaunes. Et de l'autre côté... Ah non, Hugo. Hugo, t'es trop loin. Reviens là. Jusqu'au trait blanc. Alexandre, serre bien tes doigts sur la raquette, tu la tiens pas assez. Tiens-la bien fort. Voilà. Et on va jusqu'à 20. Tout le monde là, ça va pas du tout. J'ai dit, on fait des jonglages jusqu'à ce qu'on arrive au moins à la ligne blanche. Alors, tu vas jusqu'à la ligne blanche, Alex. Voilà. Jusqu'à la ligne blanche, j'ai dit. Ah, je change un petit coup de main. Alors attention, on va ramasser les balles
je compte jusqu'à 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo! Asseyez-vous devant là. Alors vous allez m'expliquer. Qu'est-ce qui veut m'expliquer l'exercice là? Qu'est-ce qu'il a compris? Alors Julie, vas-y. Et on essaye de mettre un but, d'accord? Vous avez mis combien de buts déjà? 4. Bon, n'oubliez pas que si la balle est passe au-dessus des buts, c'est pas bon, hein? Il faut bien s'appliquer. Allez, on y va, on continue. Et on passe un par un. Non, non, non! Et on jongle avant de démarrer.